Dans le souci de promouvoir la créativité dans le secteur de l'artisanat au Mali, la coopérative nationale Art et Culture a procédé à l'inauguration de son exposition qui avait pour thème à la frontière de l'artisanat et de l'art. Journée mondiale de la femme rurale et de l'alimentation, les femmes du cercle de Kita sont à l'honneur pour la célébration de cette 26e édition. Les malades mentaux sont très souvent stigmatisés, marginalisés et mis de côté au Mali. Leur prise en charge est souvent compliquée. Nous ferons un focus sur les causes et le suivi de ces maladies psychologiques. En fin de journal avec le docteur Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le musée national de Bamako a abrité la cérémonie d'ouverture de l'exposition des armoiries du Mali et de certains pays. C'était ce jeudi 14 octobre 2021 sous la présidence du ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. L'objectif de cette exposition est de magnifier le doigté des artisans du Mali et de faire valoir leur savoir-faire. Reportage Amsetou Cissé, Djakarja Dambélé. La coopérative nationale Art et Culture, qui est un ensemble de créateurs, d'innovateurs, vise à travers ce projet à mettre la lumière sur les travaux et la compétence de nos artisans. Cette exposition s'inscrit donc en droite ligne de la promotion de la créativité dans le secteur de l'artisanat et souligne également une certaine forme de mutualisation des efforts. Dans son discours, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est dit satisfait des efforts et des œuvres réalisées par ses créateurs avant de déclarer ouvert la présente exposition. L'exposition que nous allons bientôt découvrir représente un témoignage de la foi opiniâtre des créateurs de la coopérative nationale Art et Culture à transcender les vicissitudes des temps actuels, marqué, comme je le disais tantôt, par une double crise sécuritaire et sanitaire qui a fortement impacté le secteur de l'artisanat et de la culture en général. Comme pour magnifier le doigté de l'artisan du Mali, ils nous ont sorti des produits, je dirais des chefs-d'œuvre. Ils sont des ambassadeurs de la conception et du savoir-faire, ces artisans font voyager le Mali partout dans le monde à travers son artisanat. Soyez-en félicités et remerciés, chers artisans, chers artistes. Bien que l'artisanat malien ait été fortement éprouvé par la double crise sécuritaire et sanitaire, les acteurs de ce secteur sont parvenus à produire et à créer tout en se montrant dignes. Selon M. Mahamadou Elmedi Traoré, chargé de projet, les œuvres présentées dans cette exposition portent sur la reproduction des armoiries des pays et des logos des entreprises et sociétés de la place en vue de susciter un éveil de civilité consciente. Nous sommes des artisans. Individuellement, nous n'avons pas pu réaliser. Nous sommes des émirites. De par l'Afrique, on a hissé le drapeau du Mali. Mais individuellement, on n'a pas pu réussir ce qu'on cherche. Nous sommes regroupés en coopérative pour faire cette activité. Pour dire, c'est un acte, certes, nous on expose, mais c'est un acte d'éveil, de citoyenneté par rapport aux emblèmes du Mali, d'Afrique et d'autres pays. Donc aujourd'hui, tout ce que vous allez voir, c'est 4 ans d'exercice, 4 ans de report. Et le Covid, dans sa force de destruction, nous a permis de réfléchir. Tous les grands hommes de cette planète ont reçu les plus grandes œuvres quand ils étaient comprimés. Le Covid a été un moment pour nous de réfléchir pour mieux souhaiter et réussir cette activité. C'est la quatrième date à ça que cet événement se tient. Nous sommes très contents d'avoir le ministre de l'Artisanat avec nous. Nous voulons seulement prendre notre part de marché. Dire qu'au Mali, il y a des ingénieurs qui peuvent faire ça. Il y a des artisans qui peuvent faire ça. Il y a des artisans qui peuvent exceller dans leur capacité. Nous sommes les artisans sur le pont de la culture et de l'artisanat. Nous demandons seulement aujourd'hui, dans la refondation, que l'artisanat ait sa place d'or.
Monsieur Abdou Koulibaly, parrain de cet événement, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction vis-à-vis des œuvres produites par les artisans et estime que ce secteur mérite l'accompagnement sans faille de nos autorités. Nous, on est là permanemment à accompagner ces genres d'idées de projets pour ce pays dont ce pays a besoin aujourd'hui. Donc, il faut reconnaître que surtout ce secteur, un secteur imminent, très prépondérant dans la société malienne, un secteur qui apporte une contribution à hauteur de 12 à 15% du PIB malien. Vous voyez? Donc moi, je pense que ce secteur mérite une attention. C'est un secteur qui crée d'emplois, qui est là à emplois surtout 40 à 46% de la population active. C'est un secteur qui est là, qui emploie 52% des femmes maliennes. C'est un secteur qui est là à créer plus de 400 projets au Mali. Moi, je pense que c'est un secteur qui mérite d'être soutenu. À noter que cette première édition de l'exposition Arts et Culture de la Société coopérative nationale des arts et de la culture s'étend du 14 au 24 octobre avec au programme des remises symboliques des armoiries, des prestations musicales, des projections de films, entre autres. Sur un tout autre sujet à présent, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 15 octobre 2021 la 26e édition de la Journée internationale des femmes rurales, couplée avec la Journée mondiale de l'alimentation. Cette année, elle est commémorée par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille et du développement rural, en collaboration avec leur partenaire FAO dans la région de Kita. Et à l'occasion de cette journée, nous nous sommes intéressés à la situation des femmes rurales du Mali. Les détails avec Madina Traoré. Renforcer la résilience des femmes et des filles rurales face aux effets des changements climatiques dans le contexte des crises sécuritaires et sanitaires et soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure sont les thèmes choisis pour la célébration de cette 26e édition de la Journée internationale de la femme rurale, couplé avec la Journée mondiale de l'alimentation. Des objectifs majeurs sont visés à travers ces journées. Il s'agit, entre autres, de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes et des filles en milieu rural à travers des mesures d'adaptation et d'atténuation face aux effets des changements climatiques dans le contexte des crises. Aussi, de soutenir la sensibilisation du grand public, des partenaires techniques et financiers et du gouvernement autour des problématiques liées à la faim, à la pauvreté rurale, à l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030 et du rôle que peuvent jouer les femmes rurales dans la promotion de la paix et de la sécurité. Au Mali, cette journée intervient au moment où les statistiques ne sont pas reluisantes en faveur des femmes rurales, malgré leur plus grand nombre. Selon le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les femmes rurales contribuent pour plus de 55,8% à la production agroalimentaire nationale nécessaire à la consommation locale sur le plan économique. Et d'après Unifam, dans son rapport qui date de 2017, 92% des entreprises féminines formelles sont en milieu urbain, seulement 8% sont en milieu rural. Cette journée est donc l'occasion de sensibiliser sur la situation des femmes rurales et favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Et pour clôturer ce journal, nous parlerons santé. Comme partout en Afrique, au Mali, les pathologies mentales ne sont pas considérées comme prioritaires par les autorités sanitaires. Un seul centre existe pour leur prise en charge, à l'hôpital du Point G. Les difficultés sont nombreuses et ces maladies psychologiques sont complexes. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Mariam Keïta. La santé mentale est l'un des aspects fondamentaux du bien-être. En effet, elle est caractérisée par un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions et ou du comportement qui reflètent un trouble biologique et psychologique des fonctions mentales. Selon l'OMS,
450 millions de personnes souffrent de cette pathologie dans le monde. Afin de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale, l'Organisation mondiale de la santé a choisi de célébrer tous les 10 octobre la Journée mondiale de la santé mentale. Pour cette occasion, Dr Joseph Traoré, psychiatre et spécialiste en psychotraumatologie de l'hôpital du Point G, nous explique que les maladies mentales ont différentes formes. Les maladies mentales sont très nombreuses, mais chaque fois qu'on va entendre parler de maladies mentales, c'est quand une personne présente des troubles sur le plan mental, qui peut être de plusieurs ordres. Ça peut être des troubles dans lesquels la personne n'est plus du tout dans la réalité, ou ça peut être des troubles dans lesquels la personne sait qu'elle présente quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normalité, et surtout sur le plan mental. Et ce sont des troubles qui se traduisent le plus souvent par des perturbations au niveau surtout de la pensée, de la relation aux autres. Par rapport aux catégories de maladies mentales, on peut les regrouper en un certain nombre. Il y a les catégories où la personne est totalement hors de la réalité, qu'on appelle généralement les psychoses. Dans ces maladies, la réalité de la personne est différente de la réalité commune. Il y a aussi les groupes de maladies qu'on appelle les troubles anxieux, qui sont des maladies dans lesquelles la personne est surtout dans les préoccupations, des inquiétudes au quotidien. Il y a aussi ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, où c'est beaucoup plus la dépression ou les accès maniaques, qui sont des moments d'excitation que la personne peut présenter. On a aussi les troubles qui peuvent être liés à la consommation de substances ou à des comportements qu'on appelle des addictions comportementales. Il y a ce qu'on peut appeler aussi des troubles de la personnalité, qui ne sont pas forcément des maladies, mais c'est la personne dans sa manière d'être au quotidien qui peut être perturbateur. Pour le docteur Traoré, la maladie mentale est causée par une interaction complexe de facteurs, notamment génétiques, biologiques, psychologiques, environnementaux, la consommation des substances, ainsi que des facteurs sociaux et culturels. C'est connu que les causes, c'est beaucoup plus génétique et biologique. Mais malgré que c'est des causes génétiques et biologiques, il peut y avoir des facteurs déclenchants qui sont les circonstances de stress de la vie au quotidien. Il y a beaucoup de situations de stress actuellement que nous traversons dans nos différents pays. Par rapport aux troubles anxieux, en plus de ces causes biologiques et génétiques, il peut y avoir aussi des causes psychologiques. Et si la personne est déjà fragilisée par certaines situations, la consommation des substances peut faire que l'apparition des troubles peut être beaucoup plus accélérée chez ces personnes-là. Et il y a la relation au quotidien. Annuellement, nous avons en moyenne 2000 à 3000 nouvelles consultations par an. Je veux dire de nouvelles personnes que nous recevons pour la première fois. Mais le nombre de consultations que nous faisons par an est en moyenne entre 20 000 et 25 000 consultations par an. Par ailleurs, la plupart des méthodes de traitement des troubles mentaux peuvent être classées comme somatiques, psychothérapeutiques ou un accompagnement social. La prise en charge de ces patients se passe sur plusieurs volets. Il y a le volet psychothérapique qui est l'entretien, la parole avec laquelle on va accompagner ces personnes. Il y a le volet des médicaments que nous prescrivons pour pouvoir aider ces personnes. Il y a le volet social parce que nous savons que la maladie mentale, c'est beaucoup plus relationnel, c'est beaucoup plus social. Donc il faut un accompagnement social de ces personnes pour les permettre de réintégrer la société. La grande difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est beaucoup plus la stigmatisation concernant la maladie mentale, les malades mentaux et même le service de prise en charge et même le personnel de prise en charge sont stigmatisés par rapport à la prise en charge, par rapport à l'accompagnement des personnes qui souffrent. Ce qui fait que les gens ont du mal à accepter pour venir se faire soigner dans le service de psychiatrie. Ce n'est pas
une honte de venir se faire soigner en psychiatrie, mais c'est parce qu'il y a une nécessité de se faire soigner. On peut guérir, puisqu'il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on peut guérir. Par exemple, actuellement, il y a des troubles qu'on observe de plus en plus, vu la situation sécuritaire dans notre pays, qu'on appelle les troubles stress post-traumatique. Ce sont des personnes qui ont été confrontées à des situations de mort, ou un accident grave, ou de violences sexuelles, ou violences physiques. La prise en charge correcte de ces personnes les permet de guérir totalement de ces troubles. Docteur Joseph Traoré en profita pour donner des conseils aux uns et aux autres afin de prévenir au plus vite les maladies mentales. Il ajouta également que les personnes souffrant de cette pathologie dans les rues ont besoin plutôt d'assistance sociale. Il y a beaucoup de personnes âgées que nous recevons actuellement pour les problèmes de troubles de mémoire qu'on appelle habituellement la démence. Ces personnes âgées, à partir de 50 ans, déjà quand on commence à avoir des problèmes de mémoire, ce n'est pas la vieillesse. Même si on a 100 ans, on garde sa mémoire. Si on commence à perdre, à avoir des problèmes de mémoire, il faut venir consulter. Si on commence à avoir des problèmes de sommeil, il faut venir consulter. Si on commence à avoir qu'on a du mal à se sentir à l'aise, à se libérer dans la journée, à être tout le temps sous tension, il faut venir consulter pour se faire aider. Il ne faut pas que les gens puissent avoir honte de dire « je viens en psychiatrie ». Au contraire, ça doit être, les gens doivent se dire « je viens en psychiatrie » parce que vous allez bénéficier de l'aide dont vous avez besoin. Donc c'est ce que je voulais ajouter et aussi demander à ce que les gens puissent nous aider dans la prise en charge. Parce que le problème de la maladie mentale ou le problème de santé mentale n'est pas le seul, n'est pas de l'essor seul des seuls professionnels. Tout le monde a son rôle à jouer. Le service n'est pas doté de moyens sur le plan social de s'occuper. Les personnes qui sont dans la rue, la première urgence n'est pas les soins. En tout cas sur le plan des soins médicaux. L'urgence c'est surtout sociale. Notons que la santé mentale est précieuse et d'autant plus importante qu'elle exerce sur notre corps une forte influence. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.